C'est l'histoire d'un rêve de gosse qui devient réalité. Arrivé d'Avignon pour jouer en équipe réserve, Michael Goudeman gagne rapidement la confiance de l'entraîneur des Dragons. Au printemps dernier, il crève l'écran pour son premier match avec les pros et termine la saison à Wembley en remportant la Challenge Cup. C'était Louis Anderson qui devait jouer, mais tout au long de la semaine, il avait un peu une douleur au mollet. En fait, il se teste avant l'entraînement et le kiné lui tape sur l'épaule. Et après, je me suis dit, non, quand même, il n'est pas blessé, je ne vais pas jouer. Et après, Steve, il nous réunit, ils nous disent, bon, ben, Michael, Louis s'est blessé, c'est toi qui vas jouer. Et là, tout le monde s'est réuni autour de moi, c'était vraiment un truc de fou. Pour les initiés, l'éclosion de Michael Goudeman n'est pas une vraie surprise. Formé au SO Avignon, toujours sélectionné en équipe de France chez les jeunes, l'étiquette d'espoir lui colle à la peau. Il a attaqué très tôt à jouer en première alors qu'il était encore junior 1. Alors il n'était pas forcément formé physiquement comme il l'est maintenant à l'époque parce qu'il avait encore un junior 1, on a 17 ans et on n'est pas encore complètement formé. Mais là on voit quand même que physiquement il a pris de l'ampleur, qu'il se dessine et qu'il est prêt sur le haut niveau maintenant. Technique, travailleur, intelligent, polyvalent, Michael Goudeman peut occuper tous les postes du paquet d'avant. C'est le premier jeune sur lequel a parié l'entraîneur anglais des Dragons, Steve McNamara. À son âge, j'ai vu ce qu'il a vécu l'an passé, en commençant en équipe réserve pour finir par remporter la Cup. Beaucoup de joueurs, à sa place, se seraient largement contentés de ça. Lui, au contraire, se remet toujours en question. Il a fait une très bonne pré-saison et veut sans cesse s'améliorer. À 22 ans, Michael Goudeman n'a plus qu'à confirmer tout le bien que l'on pense de lui. Il vient de signer son premier contrat professionnel. C'est pour lui le début d'une nouvelle aventure. Stop, attends-moi.